L'Homme ET LES Trois Fantômes de Charles Ferdinand Ramu Christian Le premier des trois fantômes se montra à lui un soir qu'il était rentré sous. Donc il s'était mis tout de suite au lit, et il lui sembla qu'il dormait depuis un moment quand, tout à coup, la porte s'ouvrit et Jean Romagné apparut. C'était un homme à qui il avait fait tort autrefois, en lui vendant très cher une vache qui ne donnait presque plus de lait, et elle avait crevé quelques jours après. Romagné était tout pareil à ce qu'il avait été dans la vie, nullement changé et point différemment habillé, avec sa même voix, avec ses mêmes gestes, avec sa même figure. Il vint et s'assit près du lit. Étienne et lui dit "Qu'est-ce que tu me veux Il répondit "Je viens de loin pour te parler." Il était assis un peu en avant, les mains sur sa canne d'épine. Il avait aux pieds des gros souliers boueux. Il reprit. Tu n'as pas l'air tant content de me voir. Il te faudra pourtant en m'entendre. Il toussa, il leva les mains, il les rabattit sur sa canne, il toussa de nouveau. Dehors, c'était l'automne avec ses longues, tristes pluies, quand les chemins sont autant de ruisseaux et un nuage bas traîne sur la montagne. Il n'y a presque plus de feuilles. Il y a des trous dans les arbres, et par ces trous on voit le gris du ciel. Il te faudra pourtant en m'entendre, parce que je viens de trop loin pour m'en retourner comme je suis venu. Écoute, Étienne, tu m'as fait bien du mal. Étienne dit Ce n'est pas vrai. Romagné ne se fâcha pas. Il secoua seulement la tête. Longuement, lentement, il secoua la tête. Il avait l'air triste et doux. Et d'une voix comme son air, d'une voix triste et douce comme l'air qu'il avait, il continua lentement. Quand je t'ai acheté la bête, je n'avais plus que ses quatre cents francs. Je suis rentré chez moi, et ma femme m'a dit. Le boulanger est venu pour le pain. Je lui ai répondu. Il faudra qu'il attende un peu, mais à présent qu'on aura une vache, on pourra bientôt le payer. Je lui ai dit ça, et elle s'est tenue tranquille, parce que c'était une bonne femme qui avait confiance en moi. Et elle a cru ensuite que je l'avais trompée. Parce que huit jours après, en entrant à l'écurie, elle a trouvé la bête crevée sur sa litière. Tu le sais bien, Étienne, puisque je suis venu te le dire, et tu m'as chassé de chez toi. Romagné oh, s'était tu, il reprit. Pourquoi est ce que tu m'as chassé de chez toi? Puisque tu avais fait le mal, pourquoi n'as tu pas dit. C'est vrai, j'ai fait le mal. Mais au contraire, tu criais contre moi en me disant que je mentais, et au contraire, tu m'as montré la porte. Alors sont venus les malheurs, et ensuite j'ai vu que je les avais mérités. Mais toi, tu vis dans la prospérité. Penses-tu que tu le mérites Et c'est justement pour cela que je suis venu aujourd'hui. Je suis venu te dire, fais attention, Étienne, parce que les yeux ont beau être ouverts, ils ne savent pas toujours voir, et les tiens ne savent plus voir. Il élevait la voix, et peut-être aurait-il continué ainsi, si Étienne, dans sa colère, ne s'était tout à coup mis assis sur son lit et, comme déjà une fois ne lui avait montré la porte en lui criant Va-t'en l'autre avait déjà disparu. Étienne se frotta les yeux. Il vit que la chambre était vide. Là-dessus, il se mit à rire. Il dit que je ne sais pas voir, mais je vois bien qu'il n'est pas là. Il ne m'en faut pas davantage. C'est ce qu'il se disait. Et c'était de quoi il riait. Continuant à penser en lui-même Ils m'ont fait un peu trop boire de ce vin qui est bon, mais fort et je n'y suis pas habitué. J'ai bien senti qu'il me tournait la tête seulement quand on a la bouteille à la main, c'est dur de la reposer pleine. Il plaisantait ainsi en lui même puis se recoucha et se rendormit. Le lendemain il avait tout oublié. Mais voilà que, trois jours après, sa meilleure vache crevait. Comme Jean romagné la sienne, il la trouva crevée sur sa litière, à l'écurie. Il fut plein d'étonnement, car elle n'était point malade. Au second fantôme qui vint, il n'avait pas bu. On ne pouvait pas dire d'ailleurs qu'il buvait. Il était dur de cœur, avare et de mauvaise foi. Mais pour boire, il ne buvait guère, et d'occasion seulement. D'occasion, comme on fait quand on a à causer d'affaires, parce que le vin est une aide, qu'il affaiblit la cervelle d'autrui, et c'est exprès qu'on le fait boire, et il faut bien boire avec lui. Il avait discuté ainsi d'affaires avec des gens, et était rentré se coucher. Elle heurta à la porte, et du dehors sa voix appela. Étienne, es-tu là Il pensa, c'est Marie. Il ne répondit point. La voix reprit Étienne, si tu es là, j'aimerais bien te voir. Mais j'ai peur de toi. Dis-moi d'abord que tu ne me feras point de mal. Le petit enfant que j'ai eu est mort, et moi aussi je suis morte. Mais je n'ai point de paix au ciel. Je vais courant là-haut après lui qui n'est plus, et il est séparé de moi. Écoute, Étienne, tu m'aideras à le chercher. S'il est bien de toi, qui peut le savoir, puisque j'ai connu d'autres hommes Mais si j'ai connu d'autres hommes, c'est à cause de toi, Étienne. Et ainsi, il est juste que tu viennes avec moi. Elle parlait ainsi. Elle heurta de nouveau, mais elle n'osait pas entrer. Sa voix arrivait affaiblie, mais nette pourtant, et point hésitante. Et à mesure qu'elle allait, elle s'assurait davantage. Elle reprit Étienne alors il se leva et les tourna la clef dans la serrure. Il pensait Ainsi je serai tranquille. Mais la voix continuait de venir qui ne connaît ni porte ni serrure et perce jusqu'au mur malgré leur épaisseur. Et cette voix le tourmentait, et il avait beau avoir enfoncé sa tête sous les couvertures et s'être bouché les oreilles, il n'entendait pas moins la voix, et même, à présent, c'était comme si elle venait d'où dedans de lui. Elle avait été autrefois jolie, elle marchait à grands pas souples, avec une figure claire et des joues roses dans le jour. Par le sentier en pente, on la voyait venir, et la joie était avec elle. Elle riait de tout, et rien qu'à la voir rire, on se sentait meilleur. Bonjour, disait-elle, comment allez-vous Pas mal, et vous Oh, moi, toujours bien. Parce que la santé est d'abord dans le cœur, jamais elle n'était malade. Et parce que la tristesse est une maladie, Jamais elle n'était triste non plus, mais toujours gaie, toujours rieuse, et ce rire venait d'abord et elle ne venait qu'ensuite, étant comme annoncé par lui. Mais combien les prés étaient beaux, combien beaux les prés et les champs renouvelés par sa présence. Là où ils se lèvent les uns sur les autres et portent vers le ciel comme en présent un bois de pain. Debout à la lisière on la voyait d'en bas, on l'appelait d'en bas, elle quittait le bois qui semblait soudain disparaître parce qu'on ne voyait plus qu'elle et à mesure qu'elle descendait il semblait que les choses fussent sous elle recréées comme refaites à son image qui était plaisir et beauté tel un jour il la vit et il fut ému d'elle non dans son cœur qui était endurci mais dans sa chair qui était faible il y eut cet aiguillon il fut poussé par lui vers elle il la trouva assise et s'assit auprès d'elle et lui passa le bras autour du cou. Comme elle n'était point méfiante, elle ne chercha pas à s'écarter de lui. Elle ne fit que rire davantage. Elle disait Je ne sais pas ce qu'ils ont, les garçons, à tant courir après les filles, comme s'ils n'avaient pas eux aussi leur ouvrage. Mais lui, de la voir de plus près, il était brûlé davantage. De la voir et de la sentir, ainsi tout contre lui, avec son corps pliant, et ses tièdes épaules dans le parfum de ses cheveux et dans l'odeur de tout son corps pourtant il se contenait encore et mensongèrement il les trouvait des mots doux et tendres et mensongèrement en imitation d'elle il était calmement assis et calmement il la tenait dans la grimace de l'amour tandis qu'il n'y avait que violence en lui mais elle ne s'en doutait pas étant seulement confiante Étienne, reprenait la voix, pourquoi m'as-tu menti ainsi? Parce que je t'aimais, et j'ai été à toi, et alors il n'y a plus rien nu que toi sur la terre. Pour moi, il n'y avait plus que toi sur la terre, mais pour toi, il n'y avait pas que moi. Quand on était dans la grange haute, et alors venait la nuit, et je te disais je voudrais crier de bonheur. Mais tu me répondais Ne fais pas de bruit, on pourrait entendre. Le vent venait qui descend des montagnes et roule en bas de la pente avec rapidité. toute la maison était ébranlée. Un contrevent se mit à battre. le toit gémissait et craquait. Cependant, la voix arrivait toujours surmontant la rumeur et les sifflements du vent. Tais-toi cria étienne et sa voix à lui fut aussitôt étouffée. Il te ressemblait, disait à présent Marie, il était brun comme toi. Il était brun de peau et noir de cheveux comme toi, et ses yeux ressemblaient aux tiens. Pourtant il n'avait point de père. Parce qu'il n'avait point de père, tout le monde s'est détourné de moi. Je t'ai dit. Je ne te demande rien qu'un peu d'argent pour que je puisse m'en aller d'ici, à cause qu'à présent j'ai honte de sortir, et je n'ose plus regarder les gens en face. Tu ne m'as point donné d'argent. Tu m'as dit. Je ne te connais pas. Et je suis partie avec le petit. Je le serai bien contre moi, parce qu'il avait faim et froid, il pleurait de faim et de froid. Et au moins, j'aurais voulu qu'il n'eût pas froid. C'est pourquoi je le tenais serré. Mais il ne se réchauffait pas. Quand même je lui aurais donné toute la chaleur de mon corps, je n'aurais pas pu le réchauffer, car ce froid venait du dedans de lui. Rien ne servait. Quand même je l'embrassais et soufflais sur lui de ma bouche un souffle chaud avec ma vie, et me collais à lui et me penchais vers lui. J'ai vu qu'il me serait repris. C'était tout ce que j'avais, et c'est pourquoi j'ai blasphémé. Quand il s'est raidi, quand il est devenu blanc, mon cœur s'est retourné en moi, et c'est le mauvais côté de mon cœur qui s'est montré. C'est le mauvais côté de mon cœur qui s'est mis à crier en moi contre les lois du ciel et le commandement de Dieu, car je disais Il est à moi, il n'est pas à vous, je vous défends de venir me le prendre. Voyez-vous, je suis devant lui, et vous ne l'aurez pas séparément de moi. Mais j'ai senti comme une grande main descendre, et elle me pesait sur la bouche en même temps qu'elle écartait mes bras, et quand j'ai pu de nouveau regarder, il n'y avait plus rien dedans. À ce moment la voix se tut, et à sa place vint un grand bruit de sanglots, une lamentation comme celle du vent, et on ne savait ce qui en elle était au vent et ce qui était à la femme, une femme qui a souffert lorsqu'en elle la mince paroi qui est entre le cœur et la poitrine cède et c'est comme directement que son cœur parle par sa bouche au milieu de la nuit ainsi quand elle revient du séjour des morts puis de nouveau un mot, une phrase arrivait: et étienne, parce que mes pieds sont usés. Je suis morte de fatigue. Ouvre, Étienne. Pourtant, il n'ouvrit pas. Et s'il continuait à s'agiter sur son lit, ce n'était pas de honte ou de remords, mais uniquement de colère, se sentant impuissant à faire taire cette voix. Et elle allait toujours, et elle ne se lassait point. De sorte que la plus grande partie de cette seconde nuit se passa ainsi en discours, en soupirs et en larmes. Puis, tout à coup, la porte s'ouvrit, et comment elle s'ouvrit, personne ne peut le comprendre, puisqu'elle était fermée à clef. Mais elle ne s'en ouvrit pas moins, et avant qu'Étienne eût pu faire le moindre mouvement, Marie se trouva devant lui. La jupe en lambeaux, ses cheveux défaits, toutes ruisselantes de pluie, et ses pieds nus saignaient, s'étant déchirés aux cailloux. Il la reconnut pourtant tout de suite, et voilà, il n'eut pas le temps de rien dire qu'elle était tombée à genoux, et lui prenant la main, Étienne, je n'ai plus que toi, quand même tu m'as repoussé, et tu vois je n'ai plus d'orgueil puisque quand même tu m'as repoussé, je viens vers toi et te supplie, mais ma solitude est trop grande, et voilà trop longtemps que j'erre, et trop longtemps que je le cherche. Lève-toi et viens avec moi et nous le chercherons ensemble. Il s'écria, tu es folle. Non, dit-elle, je ne suis pas folle, je souffre seulement. Viens avec moi, Étienne. Mais, comme il faisait signe que non, une chose se passa. Car à peine l'eut-elle vue ce signe qu'elle se jeta sur lui. Dans sa supplication, dans son désir de l'entraîner, de ses deux mains elle l'avait saisi. Il résistait, mais elle s'obstinait. Puis, se voyant impuissante, elle se rejeta brusquement en arrière. Alors la chose se passa. Il la regarda et elle était belle elle était belle ainsi, à genoux devant lui, le corps renversé en arrière, comme offerte, les bras ouverts, ses longs cheveux tombaient sur ses épaules, et son cou blanc brillait, et sa gorge se soulevait, et en lui le désir rentra car il n'y avait place en lui pour rien d'autre. Et on vit cette chose qui l'attira à lui. Et elle, croyant qu'il cédait, poussa un cri de joie et se pencha vers lui. Mais au même moment, ses lèvres furent brûlées, et demain la cherchait de sous ses vêtements. Elle poussa un cri, et tout s'évanouit. C'est de quoi Étienne fut puni, outre qu'il avait méprisé l'avertissement qu'il avait déjà eu de s'amender. Pourtant, le lendemain, il s'en est allé par le village racontant son rêve et disant aux gens. Savez vous qui j'ai eu cette nuit? Marie. Vous vous rappelez bien. Marie lude. On lui disait. Mais elle est morte. Puisque c'est un rêve. Il reprenait. Faut il qu'elle tienne à moi quand même pour en vouloir encore après dix ans? Et il clignait de l'œil. Qu'elle tienne à moi pour venir ainsi vers mon lit? Elle était toujours bien jolie. Qu'est ce qu'elle t'a dit? Oh. Ce qu'elle m'a dit, ce que je lui ai dit, ça c'est entre nous, vous savez sur quoi il riait d'un gros rire, laissant entendre toute espèce de choses, et, dans son endurcissement, il s'alissait ainsi jusqu'à se souvenir. En sorte qu'au troisième fantôme qui vint, ce fut aussi la dernière nuit qu'il passa sur la terre. Et qui vit il? Ce fut sa mère. Il lui sembla qu'il rentrait des champs. Il faisait un beau jour d'été qui déjà penchait vers le soir, quand même le soleil n'était pas encore couché. Mais il allait baissant vers la montagne. On était dans les plus longs jours. Alors, à la dure et blanche clarté qu'il a quand il est dans sa force, une douce lumière avait peu à peu succédé, une poussière de lumière enveloppant tout l'horizon, dans quoi il s'enfonçait et il était comme noyé. Il sembla donc à Étienne qu'il rentrait chez lui. Et c'était dans son rêve comme s'il avait été reporté de cinq ou six ans en arrière. Au temps où sa mère encore vivait, toute vieille et voûtée, et le corps noué par les rhumatismes, mais s'obstinant à travailler quand même et à tout faire dans la maison, car elle avait de l'amour-propre et elle savait qu'Étienne lui aurait reproché l'argent qu'il aurait fallu dépenser pour entretenir une domestique. Alors, tout le long du jour, elle allait et venait, s'appuyant de la main aux meubles, cherchant à redresser sa pauvre lourde tête, s'asseyant parfois repartant, et le dos le soir lui faisait bien mal mais elle ne se plaignait jamais. Elle avait un long nez pointu, une figure tout emplie avec qui s'appliquait exactement autour et qui faisait encadrement l'épais bourlet d'un bonnet de laine. Apercevant son fils, elle courut au foyer où la soupe était prête dans le pot de fer qui chantait car il était exigeant avec elle, et il fallait qu'il fût tout de suite servi quand il arrivait ainsi des sans quoi il se fâchait. Lui, pendant ce temps, était allé s'asseoir à sa place à la table où son écuelle l'attendait, et à la place en face de lui il y avait le bol à café de sa mère. Il s'était assis et ne disait rien. Elle versa le pot de fer dans la soupière qu'elle lui apporta fumante. Et ce fut seulement quand elle l'eut servi et qu'il eut commencé à manger, qu'elle pensa à elle et alla prendre sa cafetière qu'elle tenait au chaud dans un autre coin du foyer car elle n'aimait rien autant que son café et n'ayant plus de dents elle y trempait son pain c'était de quoi elle vivait mais il fallait qu'il fût de plus mauvaise humeur encore qu'à l'ordinaire car la voyant remplir sa tasse tu sais se mit-il à dire je ne vois pas pourquoi tu ne manges pas la soupe comme moi si la soupe est bonne pour moi elle est bonne pour toi aussi à partir d'aujourd'hui on n'aura plus que de la soupe elle dit « C'est qu'il me fait tant plaisir, mon café, et puis je n'ai plus beaucoup de force, et il me soutient, mon café. » Mais il ne se laissa pas attendrir. « Des forces, dit-il, des forces, tu en as bien autant que moi. » Elle dit, « Tu n'es pas juste, Étienne, il n'y a pas beaucoup de femmes qui feraient ce que je fais. J'ai septante-trois ans passés, et je fais seul le ménage. Qui est-ce qui se lève tous les jours à cinq heures, et qui est-ce qui est la dernière couchée tu n'es pas juste, Étienne, c'est moi qui te le dis. À ce moment encore, dans cette troisième vision qui lui était envoyée, il aurait pu revenir en arrière, et peut-être qu'un bon mouvement aurait suffi, qu'il eût répondu par exemple. C'est vrai, ou. Je le reconnais. Qu'il lui eût dit seulement. Eh bien, continue à boire ton café. Et ainsi, une fois de plus, il était éprouvé. Mais au lieu de se repentir à chacune de ses réponses, il s'enfonçait plus avant dans sa faute. Par là, son sort fut décidé et par quelles mains il allait périr. Il ne manquerait plus que ça, dit-il, que tu restes là sans rien faire. Qui est-ce qui te nourrit après tout Va voir chez tes autres enfants s'ils te recevraient comme moi. C'est bien le moins que tu gagnes ta nourriture. Comment se fit-il qu'elle se révolta Car elle était d'habitude soumise. Est-ce que ce fut la dureté de ses paroles ou bien comme un ordre venu du dehors pour un dessein supérieur dont elle ne se douta pas. Mais à ce dernier mot, elle avait relevé la tête, et ce poids qu'avant c'était tout au plus si elle arrivait à porter, à présent il semblait qu'elle s'en fût débarrassée, tellement elle la tenait facilement droite, sa tête, et bien d'aplomb sur ses épaules, tandis que fixement elle le regardait. Qu'est-ce que tu dis Je dis que si tu n'es pas contente, il te faudra aller ailleurs. Elle lui demanda Est-ce à ta mère que tu parles que ce soit à ma mère ou non, c'est comme je te dis personne n'y changera rien. Malheureux. Dit elle. Là-dessus ses yeux se mirent à briller. Il se faisait un changement dans tout son corps qui semblait gagner tout le temps en force, en sorte qu'on ne l'eût déjà plus reconnu. Mais Étienne ne paraissait pas s'en apercevoir, allant au devant de sa perdition. Il s'était resservi de soupe, il se tenait là, les coudes sur la table, allant avec sa bouche à la rencontre de sa cuillère, il avalait sa soupe avec bruit. « Malheureux » reprit-elle. « Et qui donc t'a nourri quand tu étais petit Qui donc t'a élevé, soigné quand tu étais malade, porté le jour, veillé la nuit Que les bras m'en font mal encore, que j'en ai perdu le sommeil !» Il haussa les épaules. Elle s'était levée, ses yeux brillaient terriblement, mais il fallait qu'il fût devenu aveugle, comme Jean-Romagné l'en avait prévenu, car il ne paraissait toujours rien remarquer. Il haussait les épaules avec mépris, comme pour dire Peu m'importe ce que je te dois, puisqu'à présent je suis le maître et que je suis plus fort que toi. Il devait voir bientôt qu'il n'était pas le plus fort. Elle s'était levée et s'était rapprochée de lui Étienne, ceux qui sont comme toi, il vaut mieux qu'ils disparaissent, car ils sont en offense à Dieu et aux hommes. Mais sans doute n'as-tu pas bien pesé tes paroles sans quoi tu en aurais eu honte. Qu'as tu aujourd'hui? dit il, que tu me fasses des sermons on en entend bien assez le dimanche. Mais, s'étant encore rapprochée de lui, elle lui posa les mains sur les épaules. C'est alors qu'il comprit qu'il avait cessé d'être le plus fort. Il eut beau abaisser brusquement les épaules d'un mouvement violent de tout le corps, les mains qui s'y étaient attachées s'enfonçaient peu à peu dans sa chair, Noueuses et dures, ses mains aux doigts recourbés, aux ongles pointus. Il cédait peu à peu sous leur poids. Il cédait, et faisant effort pour se redresser, voilà tout à coup qu'il sentit tout son corps comme s'engourdir, si bien qu'il était déjà presque privé de mouvement, mais l'orgueil restait vivant en lui. Et comme la vieille lui demandait de nouveau Te repentiras-tu, Étienne Il mit tout ce qui lui restait de force. À faire signe que non. Et la vieille appuya plus fort, et en même temps ses mains s'avançaient vers le cou d'Étienne, et il sentit leur contact sur sa peau. Pour la seconde fois, il lui posa la question. Pour la seconde fois, il secoua la tête. Alors, les mains se mirent à serrer toujours plus fort, si bien qu'il respirait à présent difficilement. Il sentit les veines de son front se gonfler pendant que ses yeux sortaient des orbites. Et à présent de tout près contre lui deux autres yeux regardaient dans les siens, et comme une flamme y brillait dont il ne pouvait soutenir l'éclat. Et pour la troisième fois la question fut posée, et pour la troisième fois il secoua la tête. Il eut soudain le souffle coupé. Le lendemain on le trouva mort dans son lit. On ne sut jamais de quoi il était mort. Ici se termine l'homme et les trois fantômes de Charles Ferdinand Ramu